Donc, on va continuer notre cours sur les ondes électromagnétiques dans le vide. Donc là, on va voir l'onde électromagnétique sinusoïdale. Donc, sinusoïdale, comme vous voyez, eh bien, elle est de la forme. Donc, si vous avez, par exemple, un certain signal, S de T sinusoïdal, S, c'est-à-dire signal, eh bien, c'est S0 fois cosinus. Bon, puisque c'est sinusoïdal, c'est forcément cosinus, c'est pas autre chose. Parce que c'est sinusoïdal, c'est cosinus. Donc c'est d'une pure simplicité. On fait oméga t moins le déphasage. Eh bien, dans le cas d'une onde électromagnétique, dans le cas d'une onde, le déphasage phi, c'est k scalaire r. Avec k, c'est tout simplement le vecteur d'onde. Donc on va parler après du vecteur d'onde. Donc pour l'instant, s'il vous plaît, acceptez-le. On va parler après du vecteur d'onde. Donc c'est comme si vous venez de voir pour la première fois une voiture et que vous ne savez pas que c'est une voiture. Pour la première fois, vous voyez une voiture et on vous dit par exemple, attendez, vous allez voir ce que c'est. Donc patientez, vous allez voir ce que c'est. Donc après, on va parler de ce vecteur d'onde. Donc elle est de la forme. Donc vous avez E est égal E0. Bon, c'est un vecteur, alors je vais écrire ici E0. Cosinus oméga t moins phi. Et vous avez pour ce qui concerne le champ magnétique, la même chose, B0 cosinus oméga t moins phi. Eh bien, ça, ce que vous voyez, c'est réel, ça. Ça, c'est réel. Bon, je n'aurais dû pas dire réel. Mais, eh bien, il y avait un certain physicien, mathématicien, qui vivait au 19e siècle. Il a eu une idée de génie. Mais ça, c'était l'origine. Il a adopté ça pour les circuits électriques. C'est que cette adoption, on va l'adopter ici. Eh bien, je vois ici E0 cosinus oméga t moins phi. Je sens quelque chose. Travailler d'abord avec le cosinus, ça induit des équations différentielles qui sont compliquées. Donc la solution est la suivante. C'est que je prends ce E qui est égal à E0 cosinus oméga t moins phi. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lui ajoute un certain j sinus oméga t moins phi. J'ai ajouté. Donc j'ai pu obtenir un nombre complexe. Je vais faire ici barre pour dire que ça, c'est une représentation complexe de E. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, ici, sinus oméga t moins phi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de voir toujours traîner ici des cos et des sinus. Eh bien, le génie de l'air me dit que ça, c'est tout simplement E0 exponentielle j oméga t moins phi, en toute simplicité. Donc ça, c'est la représentation complexe qui est d'une pure simplicité pour ce qui concerne les calculs. Ça simplifie grandement les calculs. Pourquoi? C'est grâce à la force de l'exponentielle. Bien, vous ne pouvez jamais battre l'exponentielle. C'est que il est très très facile de le dériver, il est très simple de l'intégrer aussi. Bon, par exemple, si vous avez l'exponentielle x, vous voulez le dériver. Bah, toujours, vous obtenez toujours exponentielle x. Vous avez exponentielle x dx, vous voulez l'intégrer. Vous allez obtenir exponentielle x plus une certaine constante. Vous intégrez, vous allez obtenir toujours exponentielle x plus cx. Vous dérivez encore cette exponentielle, toujours exponentielle x. Vous pouvez le dériver une infinité de fois, vous allez toujours trouver exponentielle x. Donc, ça, sachez que c'est une représentation. Réel. Bon, sachez que pour l'instant, en physique classique, on a des ondes qui sont réelles. Des ondes vraiment réelles, 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 réelles. Entre guillemets. Entre guillemets.
quand on entre, un petit peu quand on s'approche de l'atome, quand on voit les électrons, quand on s'approche du monde quantique, on découvre qu'on a des ondes de nature complexe. C'est pas qu'on associe une onde complexe, mais ils sont vraiment des ondes complexes, vraiment complexes, quelque chose d'imaginaire. Bon, c'est pour cette raison que la fonction d'onde n'a pas vraiment de sens physique, mais sauf le O carré de la fonction d'onde qui a un sens physique. Pourquoi? Parce que J au carré est égal à moins 1. Donc, quand on enlève ça au carré, eh bien, ça donne moins 1 qui est un réel. Bon, bien sûr, bon, on ajoute un certain 2 barres et on obtient phi. Bon, ça, c'est la probabilité. Donc, ça, c'est autre chose. Donc, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On peut associer à l'onde une représentation complexe. Avant d'écrire ça, s'il vous plaît. Moi, par exemple, j'ai dit que je vais faire plus J sinus oméga t. Eh bien, une autre personne, il va me dire, mais moi, je ne vais pas faire plus J sinus oméga t, mais je vais faire, par exemple, moins J sinus oméga t moins phi. Eh bien, s'il faisait ça, eh bien, on peut, eh bien, cette autre personne, il va utiliser l'autre convention, E0 exponentielle moins J oméga t moins phi. Voilà. Donc ça, le fait de choisir plus ou moins, ça, c'est juste une convention. On peut associer à l'onde une représentation complexe. Voyez-vous bien que ça, c'est juste une représentation complexe, mais la nature de cette onde est bien une onde réelle. Pourquoi on associe cette représentation complexe? Parce que les calculs en complexe sont très simples. Et on peut retourner très vite au monde réel, sachant que E bar, c'est ça. Et l'onde réelle, c'est tout simplement cette partie qui est la partie réelle. Et on peut toujours prendre notre partie réelle. Donc, vous avez ici, bon, ici, je dois écrire E de MT. E de MT. E de MT. E de MT est bien aussi ici, E de MT. Donc, par exemple, comme on a dit, E est égal à E0 cosinus oméga t moins phi. Ah, donc on a dit que phi c'est le déphasage qu'on va noter K scalaire R. K scalaire R, et ici on va écrire K scalaire R. Alors, ici on a dit que ça implique que. Alors, quelqu'un, par exemple, quelqu'un en Angleterre, qu'est-ce qu'il va écrire? Eh bien, il va dire que E bar M de T, bon, on écrit ici le bar, c'est parce qu'on a cette flèche-là. Donc, pour les autres représentations, par exemple, un certain signal, vous pouvez faire S bar pour dire eh bien, que c'est la représentation complexe de votre signal. Donc, E0 exponentielle J oméga T moins K scalaire R. Eh bien, ça, c'est une personne qui vit en Angleterre. Par exemple, quelqu'un qui vit par exemple, je ne sais pas moi, par exemple, au Canada, il va par exemple vous dire exponentielle moins J oméga t moins K scalaire R.
Eh bien, le 1. Le 1, qu'est-ce qu'il cache? Eh bien, il vous cache E0 cosinus oméga t moins k scalaire r plus j sinus oméga t moins k scalaire r. Et le 2, qu'est-ce qu'il vous cache? E0 cosinus oméga t moins k scalaire r, ici moins j sinus oméga t moins k scalaire r. Eh bien, vous voyez ici que cette personne qui est en Amérique et l'autre personne qui vit au Djibouti, par exemple, une va choisir ici plus, l'autre va choisir moins. Mais sachez qu'ils vont trouver la même onde réelle. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie réelle qui est E0 cosinus oméga t moins k scalaire r et ce E0 cosinus oméga t moins k scalaire r. Puisque ces deux parties réelles sont identiques, alors on est bien d'accord. Donc on peut faire ce qu'on veut. Donc, onde réelle, E, c'est une onde électromagnétique. Bon, je vais dire EB par exemple. Bon, c'est tout simplement voir partie réelle de E bar en bas. Donc après, on va voir une certaine application de tout cela, un certain exercice type cours qui est très très intéressant, où on va en effet revoir les équations de Maxwell, on va parler du vecteur d'onde